Excellences, Madame la ministre du Commerce, de l'Industrie, de la Promotion du secteur privé et du Tourisme, Excellences, Monsieur le ministre des Infrastructures et des Transports, Excellences, Monsieur le ministre de l'Urbanisme, de l'Habitat et du Cadre de Vie, Mesdames et Messieurs les membres du gouvernement, Excellences, Mesdames et Messieurs les ambassadeurs et chefs de missions diplomatiques et consulaires, Mesdames et Messieurs les représentants des organismes internationaux et interafricains, distingués invités en vos rangs, grades et fonctions respectifs, Mesdames et Messieurs, Excellences, Mesdames et Messieurs, cela fait 10 ans qu'Ecofinance Entreprise, cabinet international et spécialisé dans l'expertise en finance et en gestion, s'est mis au service de l'entreprise. Cet accompagnement des opérateurs économiques est en effet le credo de notre cabinet. Nous nous y acquittons à travers des conseils en gestion, à travers la recherche de financement, des missions d'audit et d'études sectorielles, mais également à partir de missions axées sur des études et sondages, notamment pour l'accompagnement dans les plans stratégiques de communication des entreprises. Une tâche exaltante dont l'objectif est de contribuer au renforcement de la compétitivité et l'efficacité des entreprises africaines. C'est ainsi qu'à force de faire des études sur le marché africain, le cabinet Ecofinance Entreprise a identifié la nécessité de promouvoir davantage les entreprises et les économies de nos États, d'où la mise en place d'une plateforme pour évaluer les performances de nos entreprises, pour mettre en exergue leur dynamisme afin de créer une saine émulation entre ces acteurs économiques. Le classement EGALA des 100 entreprises les plus dynamiques de chacun des pays de l'UEMOA est aussi la mise à disposition d'informations économiques et financières sur les entreprises afin de permettre aux institutions internationales ainsi qu'aux investisseurs étrangers, aux différents États de l'UEMOA, aux partenaires techniques et financiers d'identifier les entreprises les plus compétitives. En cela, le classement est un événement majeur puisqu'il est assis sur une démarche de notation des entreprises assis sur 4 critères. Il s'agit de l'expertise de l'entreprise, la capacité d'innovation, la capacité de pénétration du marché et l'impact de l'activité sur l'économie. Une initiative heureuse ne serait-ce que pour sa contribution à une meilleure valorisation de l'image des entreprises en servant de vitrine internationale aux acteurs économiques. Excellences, Mesdames et Messieurs, le classement EGALA des 100 entreprises les plus dynamiques des pays de l'UEMOA, c'est surtout un accompagnement dans le cadre de la promotion de la destination de nos États en mettant en exergue leur niveau d'attractivité et un accompagnement à travers la promotion des efforts fournis pour l'atteinte des objectifs de croissance et d'émergence économique. C'est dans ce contexte que s'inscrit cette initiative qui, en définitive, ne fait que saluer la tendance générale à l'assainissement du cadre des affaires dans l'espace UEMOA. Sur ce plan, le Togo constitue un bel exemple pour s'être classé en 2015, 3e parmi les 10 meilleurs réformateurs au monde. Sur le terrain des infrastructures, le Togo a opté pour la réalisation de grands travaux d'envergure, en atteste la nouvelle aérogare capable d'accueillir 2 millions de passagers par an, ainsi que les extensions du port autonome de Lomé. Toute chose qui participe au renforcement et à l'amélioration de l'activité économique pour la plus grande satisfaction des acteurs économiques. En jouant de la sorte sa partition
Pour assurer le plein épanouissement des entreprises, l'État togolais ne fait que satisfaire l'un des piliers de sa politique économique. Et la présence très appréciée des membres du gouvernement, avec à sa tête Madame la ministre du Commerce, de la promotion du secteur privé, de l'industrie et du tourisme, et la présence très appréciée également des partenaires techniques au développement, ne fait que nous conforter dans l'idée que l'État togolais n'entend ne ménager aucun effort pour accompagner et soutenir les performances des entreprises. Après tout, dans le monde actuel, le partenariat public-privé est devenu un des facteurs qui permet d'atteindre l'émergence économique et de booster la croissance économique dans nos États. Le savoir-faire togolais n'est plus à démontrer. La motivation des travailleurs togolais est légendaire. C'est sans doute ce qui explique l'émergence des entreprises qui rivalisent d'ardeur en matière d'innovation, en matière, disons, de capacité de pénétration du marché, mais également en matière d'investissement pour encore booster et pousser beaucoup plus l'économie togolaise vers la marche sur l'émergence économique. Mesdames et messieurs, l'objectivité et la pertinence de notre initiative expliquent non seulement l'adhésion des autorités des pays qui ont accueilli cet événement, mais surtout l'intérêt que nous portent les organismes, les institutions internationales et les partenaires techniques et financiers qui, à chaque édition, tiennent à honorer de leur présence cette fête de l'entreprise. Il ne pouvait en être autrement, puisque nous raisonnons communautaires avec ce classement qui constitue un baromètre permettant de pouvoir identifier les entreprises les plus dynamiques et les plus compétitives en ouvrant ainsi une fenêtre sur l'investissement dans la zone IOMOA. En effet, Ecofinance Entreprises s'est fait un point d'honneur pour qu'à chaque édition, cet événement majeur de l'agenda économique de l'espace IOMOA soit retransmis en direct par des chaînes de large diffusion dans les différents pays de la sous-région. Le classement des 100 entreprises les plus dynamiques de l'UEMOA s'appuie donc sur un classement qui est fait sur la base d'une étude que nous faisons de manière, disons, objective, partant des 4 critères que je viens de citer tout à l'heure. Il me semble important de préciser le contenu et la pertinence de ces critères. Quand nous nous intéressons à l'expertise de l'entreprise, c'est parce que nous pensons qu'il est important d'accompagner les entreprises qui font des efforts en matière de renforcement des capacités des ressources humaines, car sans un capital humain de qualité, aucune entreprise ne peut se pérenniser dans son marché. Alors, l'utilisation également de la capacité d'innovation se justifie par le fait que nous sommes dans un monde de compétition. Et toutes les économies, je veux parler des économies en fait développées, qui aujourd'hui ont atteint ce niveau de développement, la répétition est, disons, pédagogique, ces économies ont eu à mettre l'accent sur des programmes de recherche et d'innovation qui ont permis à leurs entreprises de se hisser au rang d'entreprises compétitives et performantes. Pourquoi alors aussi avoir intégré comme critère la capacité de pénétration du marché? Une entreprise se crée, mais elle se crée pour pouvoir se pérenniser, se développer, gagner en part de marché, gagner, je veux dire, aussi une certaine ouverture vers le marché même extérieur. Donc pour nous, il est important de voir les entreprises, d'analyser, d'identifier les entreprises qui ont fait des efforts en termes de couverture de leur marché, d'amélioration de leur part de marché, et même les entreprises qui, au-delà du marché national, arrivent à capter les opportunités qui sont
dans le marché sous-régional et même au-delà, dans le marché, disons, international. D'où l'importance de ce critère sur la capacité de pénétration du marché. Mais je pense que j'ai l'habitude de le dire, le critère le plus important nous semble être le dernier qui porte sur l'impact de l'activité sur l'économie. Pourquoi ce critère est-il plus important à nos yeux? En fait, si nous analysons le contenu du critère, nous mesurons l'impact sur l'économie par les investissements qui sont réalisés par les entreprises. Vous le verrez tout à l'heure, les entreprises que nous allons primer sont des entreprises qui ont eu à réaliser des programmes d'investissement d'envergure. L'impact sur l'économie est également mesuré par la création d'emplois. Nous sommes dans des États où la question de l'emploi des jeunes se pose avec acuité et il est important d'encourager, de féliciter toutes les entreprises qui se sont engagées dans des mesures, dans des actions de création d'emplois. L'impact sur l'économie est également mesuré à travers l'effet d'entraînement que génère l'activité de nos entreprises vis-à-vis des autres secteurs d'activité. Il n'est pas question de faire une activité et de se confiner dans son secteur d'activité. Il est important de voir comment l'activité de l'entreprise arrive à impacter les autres secteurs et à générer des effets, des opportunités d'affaires et d'activités pour tous les acteurs économiques. D'où l'importance donc de ce critère que nous appelons l'impact de l'activité sur l'économie. Je ne serai pas long, sinon que je vais profiter de cette tribune pour remercier le gouvernement du Togo qui nous a accompagnés dans cette initiative, remercier son Excellence le Président de la République Faure Ezodimna Niasimbe pour tous les efforts consentis en matière de réforme et en matière de création d'infrastructures qui visent un peu à améliorer le cadre des affaires, à améliorer l'environnement des affaires. Nous remercions également tous les chefs d'entreprise qui ont répondu à notre appel, mais je tiens personnellement à adresser une vive félicitation à mes collaborateurs du cabinet Eco Finance Entreprise qui sont dynamiques. S'il était permis de faire une évaluation ou bien de donner des palmes et de se donner des palmes, je donnerai volontiers des palmes aux membres du personnel du cabinet Ecofinance Entreprise. Mais on ne peut pas être juge et partie. Je vous remercie.